Alors, par contre, pour commencer, nous allons faire un petit rappel de l'étude sur le Gabon pour encore rappeler une zone par axe. Alors, c'est une page supérieure par axe, avec tout ça, c'est une par axe. Le par axe, il est une vidéo derrière par la colonne cervicale, qu'on voit ici. Et nous avons, par la fosse nasale, une cavité pleurale plus large. Donc, c'est simple, au niveau de la cavité nasale, on parle d'une zone par axe du Gabon. Ici aux jeunes. En bas, c'est un peu le pharynx, ça s'appelle le narrow-pharynx ou le pharynx. Alors ici, on va parler un peu des limites. Dans les limites supérieures du Gabon. De toute façon, on va commencer par sa parole, c'est déjà on peut parler peut-être. On a une paroi postéro-supérieure, vous avez vu cette paroi supérieure qui est venue en arrière, c'est ça, une paroi postéro-supérieure, qui est en rapport avec. Contient déjà une muqueuse avec des formations de mobilité. Alors là, qui est richement respiré sur le plan de la. Et il y a un rapport en haut, comme vous voyez, c'est ce que qui est ici. Donc, on a un et le rapport avec la partie postérieure, c'est le sens de l'unité, le sens de l'unité, le sens de l'unité, le rapport avec le sens de l'unité, le sens de l'unité. Un peu plus en arrière, carrément, le rapport avec. Je vous ai également le constructeur de ce site-là, les membranes fibreuses qui relient cette constructeur à C1 et C2. Vous savez que C2 c'est l'axis, et l'axis est constitué par un plan rectoral surplombé par la bande d'axis. Donc la place, c'est une sorte de base, c'est une base. Et en gros, on voit la bande antérieure de C1, et au-dessus, en arrière, on voit la bande d'axis. Alors tout ça constitue les rapports postérieurs. Bien sûr, il y a des choses que j'ai appelées également. Notamment, le Gabon est en rapport, quand vous savez que c'est le nord intérieur de l'île, c'est le mal de Paris, par exemple, qui va être le Gabon. Donc, on va décaler. Notamment, il y a un rapport avec la salle, avec les poids, parce que la salle est en place postérieure à la salle. Vous savez que la salle est divisée en deux parties. Les surtout dans les faces supérieures et latérales,
Brasília. Thank you.
là que le titre est très important, là tu peux avoir cette sensation de l'étude, parce que notamment on est bien évidemment, dans les secteurs dans le pour sortir la question. Et je vais vous parler du titre. Donc, bien sûr,
au milieu, il a continué le métastasage, il y a un peu d'intervallement et sinus. Sinus maxillaire. J'ai pas précisé tout à l'heure parce que c'était une coupe sagittale. Sur une coupe sagittale, on voit directement la rampe médiane. D'accord ? Et si on fait une coupe transversale, vous allez voir avec la coque, vous allez voir la grosse orbite qui semble avoir un top, le rapport entre les orbites qui est vraiment. C'est un petit rapport avec les orbites. Et c'est surtout sous les orbites qu'on va trouver les sinus. Donc c'est un peu à la même hauteur, au milieu on a la fosse nasale, et un peu latéralement de par là, nous avons les sinus maxillaires. Donc, les cerveaux, c'est un diamant. Le réseau lymphatique est très riche au niveau du plat du plavum. Le réseau lymphatique est pauvre au niveau du paroi latéral du plavum. Le réseau lymphatique se constitue en trois types de plateaux principaux. Le groupe supérieur se draine dans les embryons rétropharyngés sinueux. Les voies de drainage lymphatique du plavum sont conduites à cette cavité nasale. Le chiffre de réponse. Le groupe lymphatique moyen du plavum se draine dans les ganglions jugulaires internes. Le groupe inférieur du plavum se draine dans les ganglions de la chaîne cérébrale transverse. Le caractère croisé des voies lymphatiques explique la fréquence des adénopathies latérales. La topographie profonde du plavum rend le diagnostic du cancer du plavum tardif. Les parois latérales du plavum entretiennent des rapports étroits avec les espaces parapharyngés et les postillons et pristillons. Alors, les parois latérales du plavum sur la même postillon, c'est vrai. Alors, ça c'était une question parce que moi j'ai voulu simplifier au maximum cet objectif pour montrer que latéralement on a des espaces maximo-pharyngés. Mais n'oubliez pas que dans la partie latérale, il y a des processus stimulés. Le processus de paramètre, le muscle pour les langues, pour le doigt du palais, etc. C'est des muscles très importants qui vont diviser les espaces postérolatéraux en deux espaces. L'espace cristallien et l'espace rétrostimulé. Ils sont importants par leur point de vue. Parce que dans l'espace cristallien vont passer les nervistes. Donc si jamais il y a de l'invasion, on va avoir une paralysie nerveuse. C'est ça qui est important. Donc, on parle de la plateforme, on entretient des rapports étroits avec des espaces parapharyngés, des fustiliens et des fustiliens. Alors, c'était les rapports supérieurs du plateforme. Alors, je vous ai dit que c'était une paroi postérolatérale. Donc, ça. Donc, il y a le cérébral. Bien sûr, parce qu'on dit le cérébral, ça veut dire le cérébral est compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le processus vasculaire de la source cérébrale. Ça, c'est vraiment sur la ligne médiane. D'accord ? C'est la ligne médiane, ça. Un peu plus à moi. C'est jusqu'à la c'est un peu à part. C'est pas de la roche, c'est vrai que c'est une ligne. Un peu plus à moi. Là ? Non, non, supérieur, supérieur. Les rapports supérieurs. Qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre ? Parce que vous avez. C'est pas sur le tas de niveau. Là, mieux. On va parler tout à l'heure. Ce sont les forces cérébrales moyennes. De part et d'autre. Il faut avoir un peu la vision tridimensionnelle parce que je vous ai montré des coupes, c'est vrai que je vous ai montré des coupes, mais les coupes sagittales montrent vraiment des coupes. C'est ça l'intérêt d'avoir des images tridimensionnelles à l'imprimerie, ça permet de voir un peu mieux les rapports. Alors, ça c'est le rapport, ça c'est la paroi supérieure du rapport, on l'a dit, mais cette coupe a été faite au niveau frontal qui passe par le sinus cérébral. Donc, on ne peut pas avoir un sensibilité là. D'accord ? Mais par contre, vous pouvez voir le rapport avec la force cérébrale, mais ce sont les rapports qui sont contigus, c'est le processus cérébral, le processus cérébral, etc. Mais latéralement, en haut et latéralement, vous allez trouver les fosses temporales. Pour répondre à ces questions, il faut dire le processus cérébral, le processus cérébral et les fosses cérébrales moyennes. Maintenant, citer le signe clinique en rapport avec l'extension intérieure du cancer du cœur. Les distaxis, même s'il n'y a pas d'extension antérieure, on peut les voir. C'est pas vraiment un signe spécifique. L'obstruction nasale. Parce que l'obstruction nasale, c'est-à-dire que la coade est collabée par le processus pleural. Ça signe une extension interne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La sinusite. Oui, ça peut être. La sinusite, ça peut être. Et il y a également, pour la question, alors, il y
il y a l'os fonctionne nasale, et il y a également l'exophthalmie, l'exophthalmie légitime. C'est le syndrome de l'index orbital. L'orbite, vous savez, c'est une pyramide. La cavité orbitale, c'est une pyramide. Le sommet de la pyramide est l'index. Il est dans la pyramide. D'accord ? C'est une pyramide qui va s'élargir. Et cet index-là, il se trouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les rapports antérieurs, la cavité nasale, au milieu, et latéralement, en haut, il y a vraiment l'apex de l'orbite. Et on va les circonstances. Bon. Et lorsque l'on a cet envahissement de l'orbite, on a les ophtalmies. C'est un signe qui est rare hein, quand ça fait l'orbite. Et on a l'ophtalmie légitime par là, les muscles compris l'orbite. Il est antérieur, mais dans la partie supérieure également. On a parlé tout à l'heure de la paroi latérale, en haut. Alors, toute la face antérieure du corps, dans la partie vraiment bon, supérieure, c'est quand vous allez avoir la cavité nasale et latéralement ici. Je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est un petit rapport, mais si la tumeur est volumineuse, parce qu'il est grand, donc la croissance tumorale peut prendre du temps. Et c'est des syndromes qui sont décrits, hein. C'est décrit le syndrome de l'apex de l'orbite. C'est une extension dans la partie antérieure et haute du carbone. D'accord ? Par exemple, il y a une atteinte, il y a une infiltration de l'orbite qui va donner une exophthalmie, qui va donner une exophthalmie à atteindre les muscles oculomoteurs. Et bien évidemment, vous avez la fibre qui est la construction nasale, c'est le deuxième signe. On va avoir la construction de l'orbite. Alors, deuxièmement, expliquer la surface de particules. En cas d'extension postérieure du cancer. Alors, en arrière, nous avons vu d'abord les espaces rétroparanaux, supérieurs. Après, en bas, les muscles pré-vertébraux. Et c'est l'atteinte des muscles pré-vertébraux qui donne la corticoïde. Également, c'est un signe qui est rare et qu'on peut trouver. C'est une des causes de la corticoïde chez les enfants, on exprime les muscles pré-vertébraux. Alors, deuxièmement, expliquer la survenue de la myopathie en cas d'extension ou d'autres. Thank you.
décès, cette fois-ci, ils ont très bien. Donc on a un tu dis mais parce que juste après la sortie de la base du crâne, c'est la fixe de voir en fait ensemble. Parce que dans le temps, on a bien. Thank you.